Ils viennent de pays différents, ne parlent pas la même langue, mais ils participent aux JO de Paris sous la même bannière, celle de l'équipe olympique des réfugiés. Iran, Soudan ou Cameroun, comme plus de 100 millions de personnes à travers le monde, ces 37 sportifs ont fui la guerre ou la tyrannie. Des déracinés dont ils veulent porter la voix. Je ne suis qu'une personne parmi des millions. Vous savez, il y a beaucoup de réfugiés comme moi qui n'ont pas eu l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques. Et j'espère que nous pourrons les inspirer à croire en eux et à penser qu'en travaillant dur, on peut réussir et faire des miracles. Rassemblés en Normandie à quelques jours de l'ouverture de la compétition, ces athlètes réfugiés peaufinent leur préparation. Un entraînement compliqué par leur exil. Nous sommes de ceux qui n'abandonnent jamais. Nous sommes l'exemple qui montre que si vous avez un rêve, vous devez persévérer jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Créée en 2015 pour les Jeux de Rio, l'équipe des réfugiés participe cette année à sa troisième Olympiade.